Bonjour, je suis à la chapelle de Roubignac aujourd'hui, dans l'Hérault. Très belle chapelle, un petit peu abandonnée, un petit peu mal en point. Regardez l'étai qui tient la porte. Superbe porte sculptée. Et là, donc à l'intérieur, comme toujours, il y a un réseau sacré qui passe comme ça et qui va jusque dans le cœur, qui croise, et ça croise, le sacré, il croise ici, à cet endroit-là, comme toujours, derrière l'autel. Voilà. Et sur l'autel, nous avons un croisement de veines d'eau, ici, qui fait ça. Et comme ça, voilà. De veines d'eau, donc qui se croisent toujours en dessous de l'autel, comme tout ce que dans toutes les églises et les cathédrales qu'on a remarquées pour l'instant. Ensuite, une énergie christique. Alors ça, c'est un réseau un peu spécifique, très puissant, qui part d'ici et qui croise par là, jusque là-bas, toujours dans le cœur. Et une seule cheminée cosmotellurique. D'habitude, dans les églises, il y en a toujours au moins deux ou trois. Et là, pour la, j'en ai trouvé qu'une qui se situe ici. Voilà. Très belle chapelle à restaurer. Merci, au revoir.